humaine dans mon entreprise, quelle histoire. Quelle histoire. On me tue pas, Lucien, s'il te plaît. Voilà, merci. Et puis on a accueilli un nouveau collègue aussi. Pas encore si je... Attends. La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Rejoins-nous tous les soirs à partir de 22h pour des games de folie et c'est peut-être toi qui choisiras le prochain champion. Regarde donc dans la description et à ce soir sur Twitch. Le Kaïssa Jungle, j'en profite. Bonsoir Bali. Bonsoir. Bali qui m'a fait un nouveau build un peu orienté AP sur Kaïssa que j'ai envie d'essayer aussi, mais peut-être pas en jungle pour le coup. Donc je crains que maintenant les gens soient au courant et que je me la fasse ban. Mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça ban full ADC? Pour moi, les ADC ont beau être aussi forts qu'ils sont, il faut toujours ban des enchanteurs. Quoi qu'il arrive, il faut ban ces satanés Yumi, ces satanés Lulu. Comme ça, on est peinard après. Je trouve un glitch dans le jeu Twitch Jungle, c'est de la folie. Bah écoute, en Chine, je dis en Chine, pas parce que soi-disant ce serait les meilleurs ou autre, hein, c'est juste que c'est le seul serveur sur lequel il y a des stats officielles de la part de Riot. En Chine, Twitch Jungle est à 55% de victoire, ce qui est aberrant. Et devant lui, il y a Kaïssa Jungle à quasiment 56%. Et elle est ban. Et bah c'est super. Bah du coup, je vais jouer Twitch. Hein. Je veux dire, si on est là pour tricher, moi je triche. Hein. C'est pas souvent les bans Kaïssa. Et ça va se populariser, je pense, malheureusement. Changer l'ordre des choix, vas-y. Oh, rends-moi mon ordre des choix, eh. Boum! C'est quoi les bails? Oh, j'ai aucune idée du build qui correspond à mon besoin. Est-ce que le build qui correspond à mon besoin, c'est le build AP qui est en bas? Vayne top, Kaïssa ADC, H-Sup, tout jungle, je vous jure, c'est un enfer, des ADC partout. C'est génial, enfin les ADC reprennent le pouvoir. Vous êtes pas content parce que vous faites pas partie de cette population exceptionnelle. C'est tout. Mais vous allez apprendre la suprématie des ADC. L'oublier Varus Mid, c'est vrai. Depuis deux jours, je la vois souvent ban Kaïssa. Les gens commencent à comprendre. Je tiens à dire qu'un ADC, c'est suffisant. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai même envie de te dire, comme les ADC sont très forts, une équipe avec un ADC et une équipe de soutien autour... Des tanks, de langage, de la frontline, du support, c'est largement suffisant. Les gens qui jouent ADC car c'est méta, faut arrêter car ils sont tous nuls, c'est vrai aussi. Il y a des persos, mais il y a des moments où la méta est plus facile à adopter pour monsieur tout le monde que les ADC, parce que les ADC ça nécessite quand même des compétences particulières que tous les joueurs n'ont pas. Le lastic, le positionnement, etc. Quand je parlais des games avec 4 ADC, là ça va franchement, hein. Franchement, il y a une Vayne top et un Twitch jungle. Mis à part ça, les compos sont quand même relativement standards. C'est pas exagéré. La vie, j'ai essayé de jouer ADC. Plus jamais, je suis vraiment trop nul. C'est tout un jeu à part, effectivement. Arkio, Runan, Percepteur, c'est foufou. Ben là, je suis parti sur un build AP. À base de Dawn Nashor First. Tu as un avis sur le seul vrai GOAT Aurélion Sol? Mis à part te dire que c'est le seul vrai GOAT. Pas trop, non. Je peux stream via mon PC maintenant sans carte de capture. Et comment ton PC récupère l'image de ton téléphone, Bali? La botlane joue pas au même jeu que nous, exactement. Gagner sa lane et perdre parce que les autres veulent pas jouer avec toi, c'est nul. Ça, c'est vrai. Et c'est pas dû au patch. Les nouveaux items rendent les ADC très forts. Je sais pas si c'est... les nouveaux items ou si c'est les équilibrages. C'est sans doute un mélange des deux. Mais je joue AP. Ouais, vas-y, je joue AP. Par USB. Ah, par USB, ça marche. Moi, quand j'avais essayé, j'avais trouvé des logiciels de mirroring par USB, mais j'avais pas le son. J'étais obligé d'envoyer le son en Wi-Fi. Lucien top. Ah, que veux-tu?
Que veux-tu, que veux-tu? Une application pour le son. T'as vérifié si t'avais bien le son? Ouais. Parce que moi en USB je pouvais parfaitement capturer l'image de mon téléphone avec une qualité correcte, mais pas le son. Donc c'était pas très pratique. Après t'es pas à 150 balles près, Bali, tu vas investir dans une petite carte de capture. Là je suis parti sur un build AP, on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais joué Twitch Jungle encore. Je pense que le but du jeu ça va être de spam gank la botlane de toute façon. Ça m'a l'air assez évident. Le but du jeu c'est de mettre ton ou tes ADC le mieux possible et après c'est gagné, non? C'est qui mes mates? C'est Ali sur TF et Tilem Clé-Clé sur Karma. Je sais pas si j'ai bien fait de commencer par ça. Ah si. Si, ça met une petite praline. Ce qui est bien avec les ADC de jungle c'est que tu peux tourner comme ça et jamais te faire taper sauf des fois. Sauf des fois. Mais ça va en vrai. Nashor full attack speed pas mal aussi. Là déjà on va faire dans le Nashor, on va voir ce que ça donne. Dans un premier temps. Le clear est pas ridicule hein. On stack bien le poison sur tout le monde. D'ailleurs, tu jungle ou ADC? Je pense jungle. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. On est plus sur du... Oh, l'autre. On est plus sur du je pense que du je sais. On va le faire exploser, lui. On va le faire exploser, lui aussi. Oh, l'autre, il m'ignite, eh. Tout jungle. Ça fonctionne. Attends, et là je peux fufu et y retourner. Comme un grand malade. Voilà. Ça marche pas mal. J'ai une petite frayeur quand même. Je me suis posé la question, est-ce que son mur empêche mon E, empêche l'explosion de mon poison? Ah bah bonjour tout le monde. Je pense que oui. Donc dans le doute... Dans le doute, j'ai fait le détour. Bon, ils ont compris. Ils ont compris que c'était moi la menace. Le mec s'appelle Google 420. Je vais aller bot. Tu sais quoi? Je vais même pas aller faire un buff. Je vais aller bot nature. Je pense qu'un petit bot nature, on arrive en fufu en ligne droite là. Ça pourrait être très rigolo ça. Ça pourrait être très rigolo. C'est très risqué aussi. Parce que si ça passe pas, je suis comme un con. Mais on va le tenter. Genre on arrive comme ça et on fait bonjour. You. Explosion du poison. Ouais c'est nul. Effectivement t'as pas le son. Ah ouais. C'est ce que je m'étais rendu compte à l'époque, Bali, c'est que les. C'est des histoires de copyright, de lois anti. Enfin c'est pas des lois, c'est des trucs qu'ils mettent dans les téléphones qui sont anti-piratage ou je sais pas quoi. J'ai jamais trop compris la raison de pourquoi du comment. Mais en gros, ils veulent pas que tu puisses capturer le son de ton téléphone sur un PC facilement en USB. Dans Nashor First, ouais. Donc en fait, moi ce que je faisais à l'époque, Bali, où j'avais pas la carte de capture, c'est que j'avais l'appli USB pour l'image, et j'avais une appli qui capturait le téléphone entier, image et son, en Wi-Fi, mais avec une image dégueulasse. Et je lançais les deux applis. Et du coup, j'affichais l'image de celle qui était jolie et j'avais le son de celle qui était pas jolie. Sauf que le son, du coup, il arrivait en décalé d'à peu près une seconde. Je me souviens de cette époque. Piu, 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 boum. Marche bien. Tu vas juste mettre de la musique. En vrai, un stream de Wild Rift sans le son du jeu, c'est bizarre. Hein. Même s'il est faible, je pense qu'il le faut. Hein. Pour l'immersion, pour le ressenti... C'est quand même super bizarre un stream de Wild Rift sans le son. Bon après tu testes, tu fais ta popote. Tu joues sans le son toi? Je trouve ça étonnant parce que le son il peut être utile dans plein de situations. Par exemple pour le grab de Blitzcrank, le son démarre avant l'animation. Donc en fait si tu sais que t'es en mauvaise position et que si il grab t'es dans la merde, tu peux flash dès que t'entends le son. Chope-le.
Oh, ça fait mal, hein. Il joue toujours avec la musique et sans son. Ok. Ça m'étonne, mais... Je pense que le viewer lambda aime bien voir le son du jeu, quand même. Je sais pas, hein, dites-nous, hein. Pour entendre les doopings de tes alliés. Ça dégage les pings des alliés, hein. Il y a des streams où elle drift sans son avec cam, c'est ennuyant. Bah ouais, je pense qu'il faut, il faut qu'il y ait un fond sonore un peu... qui représente un petit peu quelque chose, quoi. Qui mette dans l'ambiance. Faut créer une ambiance. Le tout est de créer une ambiance. Pour le coup, le son du jeu, ça aide, puisque ça fait une ambiance toute naturelle. Il va me troller encore, lui? Oui. Bonsoir, Raclette. Comment tu vas? Alors, est-ce qu'ils ont des pings ici? Parce que s'ils ont pas de ping... Toi, avec certains skins, les bruits sont satisfaisants. Oui. You? 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 Explosion du poison! Bah, il fait quoi, lui? Oh bah, il nous rouste. Oula, je peux survivre à ça? Oui, tout juste! Bah, c'est parfait. Ça va et toi, mon cher? Bon, ça va super bien. Hein. C'est le patch des ADC, je suis happy. Je suis schnip schnop schrappy. Ça fait trop plaisir. J'ai aucune raison de me plaindre, ma vie est géniale. Même si, bon, je trouve que les gens me donnent pas assez d'argent, honnêtement, mais... Est-ce que ce serait honnête de ma part de m'en plaindre? Je pense pas. Hein. Parce que je peux pas me permettre de faire ce genre de plainte. Ce serait mal vu. Ah, monsieur Lissine. J'ai vu une ward rouge. Monsieur Yasuo, lance sa tornade dans le vide. Boum. Bravo. C'est bien, tout jungle, hein. J'aime bien. Ça a été ma journée. Ouais, j'ai eu une longue journée aujourd'hui. Oh là là. J'ai dû aller signaler un cas de harcèlement moral aux ressources humaines dans mon entreprise. Quelle histoire. On me tue pas, Lucien, s'il te plaît. Voilà, merci. Et puis on a accueilli un nouveau collègue aussi. Je sais pas encore si je vais bien m'entendre avec lui. En tout cas, il va pas jouer à Jump Jet Rex, je pense. Quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un autre milieu. C'est comme ça. Pas cool comme journée. Bah en fait, je suis dans mon entreprise, je suis le référent harcèlement. Donc en fait, quand des gens... vivent des situations désastreuses, ils viennent m'en parler et puis après c'est moi qui fais les démarches pour que justice soit rendue. C'est un peu compliqué. Raison incroyable de pourquoi Twitch AP c'est broken, Twitch AP tape en AD. Oui, c'est vrai que l'explosion du E met des dégâts physiques. C'est vrai. Alors, on va se faire relooter là. Je suis mort, je pense. Ouais. Je suis mort, on a engagé le dragon sans le reste de l'équipe. C'est un peu dommage. Ah, quoique, attends, les choses sont pas finies. Les choses sont pas finies et Darius push, incroyable. Megu va bien, Megu va très bien. Qu'est-ce que je peux te dire sur elle? Rien de particulier. Non, elle va bien, tout le monde va bien. Ah, la vie est belle, il fait chaud, il fait trop chaud. J'ai réinstallé la clim portable dans la salle de stream. Je l'ai pas encore lancée. Mais je sens qu'il y en a plus pour très longtemps. Là, il fait 26 degrés actuellement. C'est encore supportable. Ça va vite faire beaucoup, cette affaire. Je vais peut-être aller un peu fort. En jure, il me touche. Ok, j'y suis allé trop fort. C'est la game de chauffe. Ici aussi, il fait trop chaud, ça y est. Quoi, au Québec? Si au Québec il fait trop chaud, c'est qu'il y a un problème avec la planète. Hein. Pourquoi on n'a pas écouté les scientifiques? Il court vite ce Darius. Poink. Il va aller en chercher un autre. Poink. Ah, il fallait ulti, monsieur Darius, là. Et il continue. Pourquoi il court si vite? Oh. 33 degrés, mais c'est normal. 33 degrés, c'est pas mal. 33 degrés, on commence à s'amuser. La glory Darius. Oui, mais ça dure pas si longtemps. Il l'avait utilisé au début du fight.
Au Canada, il fait froid l'hiver et chaud l'été. Ok, je savais pas ça. Je pensais qu'il faisait frais l'été. Mais attendez. C'est un effort. Bonsoir, Extrapole. Dans le sud, il fait bon mais pluvieux. Sud de quoi? De la France ou du Canada? C'est grand le Canada, hein. En vrai, il doit y avoir plein de climats différents. Je sais pas trop. Aussi, mais pas du tout. Va profiter bien du soleil. Que veux-tu que je te dise? Piou! 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 Je mets pas assez de dégâts, c'est juste mon explosion qui fait mal. Je peux mettre l'explosion sur Séraphine? Oui. Oui. Bon, en France. Bon, mais pluvieux. Oh, ça me va. Hein. C'est bien quand il fait chaud et qu'il pleut parce que du coup, ça fait baisser la température la nuit. Il y a la clim dans tous les bâtiments, comment te dire qu'en tant qu'européenne, je suis pas habitué. Ouais, ça c'est très. Américain quoi. Mais aux États-Unis, au Canada. Il y a vraiment une culture de la clim. Nous, en France, la clim, c'est quoi? C'est à McDo, beaucoup trop forte. Et dans les cas extrêmes, ils en foutent partout. Ils construisent les maisons directement avec des clims, quoi. Je connais personne en France qui a une clim intégrée à sa maison. Enfin, genre tu sais, t'as tout un système de clim fait pour la maison, pour toutes les pièces, etc. Si je connais une personne qui a ça, c'est un de mes cousins. Et en fait, son métier, c'est d'installer des clims. Du coup, c'est logique. Sinon, en général, il y a des gens plutôt rares, pas tous, qui ont une petite clim portable dans une pièce. Genre, moi, j'en ai une dans mon bureau. Bon, ça, on subit, quoi. On subit et on la ferme. Pas le choix. Oh, ça m'emmerde, la jungle. Hein. Je préfère aller taper sur les gens. Bonjour, c'est moi, Twitch. Piou, piou. Piou, piou, piou. Explose! Oh, ça explose si fort! Ça explose si fort! Oh! Piou! Piou! Tu vas bientôt exploser, Vayne! Explosion! Bah, j'aime bien! Faudrait que je l'essaye en AD aussi. Au début, moi, je voulais jouer Kai'Sa Jungle. D'ailleurs, Kai'Sa Jungle, je me demande si je la joue AP ou AD. Le Bali m'a fait un magnifique build Kai'Sa hybride orienté AP, là. Ça donne envie d'essayer cette bêtise là. Salut futur Awid. Bienvenue à toi. Prends-toi confortablement. On risque de passer un excellent moment. On va se barrer quand même là. Ah quoique Darius. Darius le plan de jeu. Wouah Lee Sin. Lee Sin il a fait un move là. C'était beau hein. C'était beau le petit changement d'angle qu'il a fait pour me kick comme ça. Bon, dommage, ils sont tous morts. Enfin, dommage pour eux. Salut, pas de facecam. Pas quand je joue à Wild Rift, non. Parce que sinon, la seule chose que tu verrais, c'est mon front, étant donné que je suis penché sur mon téléphone. C'est pas très intéressant. C'est important pour toi? Après, Rabadon Runan, c'est totalement le plan. C'est totalement le plan, Rabadon Runan. Après, si c'est important pour toi, je peux te faire un coucou, hein. Coucou, salut. Voilà, c'était le moment facecam. Heureusement que j'ai pris une douche et que j'ai mis un beau polo, vous imaginez sinon. Imaginez que je sois pas bien apprêté pour un stream. L'odeur du gamer. Terrible ça. Merci. Si t'avais besoin de savoir, t'avais besoin de vérifier que j'étais vraiment humain. Quel homme. Un homme plutôt standard, hein, en réalité, plutôt dans la moyenne. Même un peu en dessous de la moyenne sur certains aspects, mais pas tous. Toujours être en costard pour un stream no cam, bien sûr. Et toujours porter un pantalon. Bonsoir, Chad le Negan. Bienvenue à toi. Les joueurs de Twitch AP qui font Void. Pas bien Void. Attends. Piu! 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 J'y suis allé un peu agressif. Heureusement, il y a la team. C'est agressif tout ça. C'est agressif et ça fonctionne, c'est ça le plus drôle. J'avais pas encore acheté Rabadon. Twitch AP, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être une belle menace quand même, cette affaire. Hein. Là, ça fonctionne tout seul. Pas grand chose à faire.
Je joue Twitch AP. Actuellement, oui. J'essaye, je teste Twitch AP. Pour la première fois, cette game. Ma foi, c'est plutôt bien efficace. On a surtout besoin de vérifier si c'est bien toi et pas un imposteur. Ah oui, parce que ça pourrait être... Ça pourrait être... N'importe quel imposteur, oui. Je pourrais être un imposteur. Ça, c'est ma vraie voix. Et quand j'active mon effet sonore... Eh bien, ça donne cette voix auquel vous avez l'habitude. Mais sinon... Sinon, c'est ça, ma vraie voix. Je m'appelle l'imposteur. Voilà. Ça fait depuis la sortie d'Urgot que j'ai pas joué. Il y a des nouveaux champions. Oui, il y a Swain. Est-ce que j'en oublie un entre les deux? Probablement, je ne sais plus. Twitch AP, j'y arrive pas. Le scaling est pas linéaire comme en AD. C'est assez particulier, ouais. Tu m'as hâte, Bali. Cool. Ouais.